Il y a des lieux qui vous entrent dans le corps alors que vous n'avez fait qu'y passer, que rien ne vous y attache vraiment, aucun gène, aucune amitié, aucune histoire ancienne, juste quelques heures passées, rien d'autre qu'une présence au monde peut-être un peu plus forte, puisque simplement consacrée à être là, à marcher avec celle qu'on aime au hasard dans les rues du port, surtout ne pas perdre de vue le bateau qui vous relie au continent. À lire L'Homme des Bois de Pierrick Bailly, à écouter la musique et les conversations dans les cafés, à choisir des restaurants, à filmer, à manger, à s'aimer. Il y a des lieux de passage qui s'inscrivent à tout jamais dans notre petite géographie personnelle, tout aussi sûrement que d'autres dans lesquels nous vivons des années. Et chacun d'eux, sans hiérarchie, point après point, constitue une trace invisible comme une ligne d'air. Il faudra penser un jour à dresser la carte du journal filmé. C'est ce que me suggère un ami regardeur. Promis, ça sera fait.